Chères concitoyennes et chers concitoyens, un grand merci à Madame Madeleine Franssen et au Quintet du Gédo pour leur interprétation de l'hymne national tout à fait émouvante. En tant que maire de la ville de Genève, je suis très heureuse de célébrer aujourd'hui notre fête nationale avec vous et de marquer, comme chaque 1er août depuis 1891, l'anniversaire du pacte fédéral de 1291, signé entre les représentants des trois cantons, Uri, Schwyz et Nilwald. Cette date nous permet chaque année de célébrer le pacte fondateur, nos valeurs, la Suisse que nous sommes et que nous représentons. Forte de ces acquis, cette date nous donne aussi l'occasion de poser un regard sur l'avenir, d'afficher nos ambitions sur la Suisse et la ville de Genève que nous voulons. Dans le cadre de mon année de mairie, rêver et habiter la ville de demain, j'ai souhaité placer cette fête nationale sur le thème de l'eau, un élément central dans notre pays et de notre ville, et pourtant indispensable à notre vie. À quoi ressemblerait Genève et la Suisse sans nos lacs, sans nos rivières, sans nos fontaines ? C'est un fait, nous entretenons un lien très étroit avec l'eau, presque identitaire. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre à l'honneur cette thématique, car Genève est une ville où l'eau est très présente. L'eau nous rassemble et nous aimons nous y rassembler à Genève.
à la plage des eaux vives, au bain des Paquis, ou encore à la pointe de la Jonction, ou plonger dans le Rhône et s'y laisser porter par le courant, est une activité typique en Suisse, comme à Berne ou à Bâle, par exemple, et dont la pratique originale étonne et fascine toujours les touristes. Une activité que nous pratiquons presque naturellement grâce à la pureté de nos lacs et nos rivières, ce qui n'a pourtant pas toujours été le cas. En effet, il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, la baignade était fortement déconseillée dans notre lac et quasiment interdite dans les rivières pour des raisons de pollution. Les efforts consentis par les pouvoirs publics et la population pour restituer l'accès à l'eau aux habitantes et aux habitants seront racontés tout à l'heure par notre invité d'honneur, M. Alexandre Vizard, directeur du service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche. Vous verrez, son intervention sera tout à fait passionnante. Nous avons aussi la chance de bénéficier d'une eau potable accessible et redistribuée généreusement grâce à nos fontaines genevoises, elles sont fameuses, comme celle-ci, juste à côté, celle de la Rotonde. Une eau dont la qualité nous permet aujourd'hui de pouvoir en profiter et qui agit comme un climatiseur géant lors des chaudes journées d'été que nous attendons désespérément cette année. J'ai souhaité aussi mettre en avant la thématique de l'eau pour notre fête nationale, car en plus de nous rassembler, elle nous rassemble. Elle illustre le soin que la Suisse apporte à ses ressources naturelles, la qualité des infrastructures qu'elle met à disposition, une action honorable et profitable au bien public, pour reprendre les mots du pacte fédéral à propos des mesures prises en vue de la sécurité et de la paix. Elle illustre aussi que la présence de l'eau se manifeste sous différentes formes, à l'image de notre diversité suisse et genevoise. Elle est source de richesse et d'unité. Elle symbolise également les nombreux défis qui sont les nôtres aujourd'hui en termes d'urgence climatique. Préserver la qualité de nos ressources, les valoriser, garantir leur accessibilité universelle et lutter contre la pollution. Car l'eau, qui fait partie d'un cycle, ne se crée pas, mais elle se renouvelle depuis des millions d'années. À côté des défis liés à l'urgence climatique, nous traversons une période difficile de crise sanitaire, sociale et économique. Une période chargée de défis et d'incertitudes qui sont aujourd'hui encore nombreux. Mais une chose est certaine, nous avons démontré jusqu'ici une solidarité et une résilience exemplaire qui fait honneur à nos engagements pris en 1291. Je cite « Se prêter les uns les autres n'importe quel secours, appui et assistance de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts. » Ces crises, nous les surmonterons grâce à ces valeurs ancrées dans nos traditions, en collaborant à travers le dialogue, en réalisant des compromis, une spécificité helvétique à l'origine de notre histoire et dont découle notre démocratie, grâce aussi à cet esprit de liberté, de responsabilité et d'unité que nous portons toutes et tous ensemble. C'est tout cela la solidarité confédérale et c'est aussi cela la solidarité genevoise. Je tiens donc à vous remercier toutes et tous pour vos efforts et votre patience pendant cette période difficile que nous vivons. Continuons ensemble à faire vivre notre solidarité et ayons la capacité de nous interroger, de remettre en question nos habitudes pour tendre vers un rythme de vie plus agréable, que ce soit en termes de consommation, de déplacement, dans nos rapports aux autres, à la nature et à l'environnement. C'est là une opportunité pour nous orienter vers une société plus durable. C'est mon message de ce soir. En ce jour de fête nationale, prenons conscience des ressources que notre pays, notre sol et notre environnement nous apportent. Respectons-les, protégeons-les pour les transmettre à nos générations futures, pour des années encore. En ce 1er août, honorons le pacte fondateur de notre pays et honorons ensemble nos valeurs de solidarité ancrées depuis 1291 et réaffirmons en ce jour l'engagement de se prêter les uns aux autres secours, appui et assistance de tout notre pouvoir et de tous nos efforts.
Tous ensemble, nous formons la Suisse. Je vous remercie donc de votre attention et sans plus tarder, je laisse la parole aux différents invités, à commencer par M. Amar Madani, président de notre conseil municipal. Je vous souhaite une belle fête du 1er août. Vive la Suisse et vive Genève. Bravo. Madame la maire, mesdames et messieurs, le 1er août 2021, cela fait 730 ans que le pacte fédéral de 1291 a donné naissance à la Suisse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une date mémorable qui sonne comme une étincelle. Une étincelle déclenchée par une poignée d'hommes. Et nous sommes réunis ce soir pour célébrer ce pacte qui fut la première alliance pour davantage de liberté et de droits. Cet acte est avant tout un symbole très puissant qui a permis à la Suisse de se développer. Au fil des siècles, cette convergence s'est élargie. Le canton helvétique se rapprochant de la République de Genève qui, finalement, en 1815, a été intégrée à part entière à la Confédération helvétique. Le pacte de 1291 est depuis longtemps compris comme une affirmation de liberté et comme la volonté de partager les mêmes valeurs. C'est également un désir de réduire la dépendance face à une autorité très éloignée qui était celle des Habsbourg au XIIIe siècle. Avant tout le monde, les Waldstätten avaient compris qu'il fallait privilégier le local. Si le pacte de 1291 avait comme objectif principal de protéger ses membres, il ne signifiait pas une fermeture sur le monde extérieur. Au contraire, nous avons trop souvent tendance à oublier que cette alliance est apparue au moment où la route commerciale des Gothards s'est développée. Et il n'est pas suffisamment mentionné que Genève fut, dès le Moyen Âge, une ville de foire, donc une cité commerciale très dynamique et ouverte sur le monde. C'est dans cet esprit d'ouverture qu'ont pris place à Genève les idées nouvelles de la Réforme, la Société des Nations et la Croix-Rouge, institution internationale parmi les plus efficaces. J'aimerais souligner le rôle prépondérant d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, qui, par ses initiatives désintéressées et d'un haut niveau moral, a offert à Genève une place considérable. Finalement, je ne peux pas m'empêcher de constater qu'en 2021, trop d'habitants de notre commune, la ville de Genève, se sentent exclus, eux ou leurs enfants, de la vie économique et du marché du travail. C'est en leur nom que j'aimerais m'adresser à vous ce soir. Il est impératif d'obtenir une véritable cohésion sociale dans la dignité et le respect de tous. Je suis convaincu que nous pourrons agir dans cette direction, mais cela nécessitera un grand effort collectif. Nous devons très certainement nous inspirer de la sagesse séculaire initiée en 1291. De cet événement historique, je retiens qu'il est possible de protéger les habitants d'un territoire sans pour autant être fermé sur le monde. Avant de terminer, je réitère ma gratitude à notre pays, la Suisse. La Suisse qui sait, depuis des siècles, sans pour autant oublier ses racines, accueillir la diversité et en faire sa force, lorsque cette diversité est respectueuse. Cette Suisse qui s'est intégrée et rassemblée sans distinction aucune d'origine, de race ou de religion, nous pouvons en être fiers. Il nous incombe dès lors de contribuer à cultiver ces valeurs. C'est dans cet esprit que je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête nationale du 1er août. À M. Alexandre Bissard, directeur du service du lac et de la renaturation des cours d'eau auprès de l'État de Genève. Madame la maire, monsieur le premier citoyen de la ville de Genève, mesdames, messieurs, chers amis, la ville de Genève a décidé cette année de consacrer la célébration du 1er août au thème de l'eau et je l'en félicite et je m'en réjouis.
Lorsque Madame Frédérique Perler, maire de Genève, m'a contacté cet été pour m'inviter à prendre la parole, j'étais bien sûr honoré. Et elle tombait plutôt bien car son appel me trouvait au bord de l'eau, dans une petite île des Cyclades. Donc j'étais vraiment sur le terrain. Mais dans un second temps, j'ai eu une légère panique qui m'a envahi. Pour moi, parler de l'eau à Genève, c'est prendre le risque de vous embêter pendant 2 heures avec une causerie extrêmement longue, tant je suis passionné par le sujet. Et puis, l'eau, c'est très vaste. Quelle accroche retenir ? L'eau potable ? L'eau loisir ? L'eau de vie, j'en consomme un peu, l'eau du Léman en 2050, bref, beaucoup d'accroches possibles. Et finalement, je me suis dit que l'accroche pour cette allocution, ce jour de célébration de la fête nationale, ça serait l'eau, le moteur du développement des sociétés humaines et de la prospérité à Genève. Mais pour réfléchir à ça, revenons un tout petit peu en arrière, plus qu'un petit peu, puisque moi je vous propose d'aller 10 000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, 10 000 ans avant Jésus-Christ, nous avons les premiers peuplements humains qui s'installent dans notre région. Ils s'installent au pied du Salève. Ce sont des chasseurs de rennes, accessoirement des cueilleurs, et ils se réfugient dans des grottes ou dans des abris sous roches. Ce sont des nomades, mais ils maîtrisent déjà le feu. Mais ils ne maîtrisent pas l'agriculture. Il va y avoir une date importante. On quitte les 10 000 ans avant Jésus-Christ, on arrive 1063 avant Jésus-Christ, où en fait là, on a les premiers habitants de Genève qui sont organisés en village, en société, et eux, où est-ce qu'ils vont s'installer ? Eh bien, au bord du lac, au bord du Léman. Et le site le plus connu actuellement, c'est le site du Plongeon, il est de l'autre côté, en rive gauche. En fait, il est aujourd'hui sous la plage des eaux vives, il a été, rassurez-vous, documenté, examiné, inventorié, mais les premiers Genevois se sont installés aux eaux vives. Et sur ce site du Plongeon, ces premiers habitants vont rester plus de 200 ans, c'est extrêmement long. On peut comparer avec d'autres régions de Suisse, c'est probablement la population qui est restée le plus longtemps sur le site. Ces premiers Genevois, ils pratiquent l'agriculture et ils sont capables aussi de faire de l'élevage. Ils avaient probablement des cochons, des poules, des moutons. Et ce qui est très intéressant et même précurseur, ces habitants qui ont construit des maisons sur pilotis, eh bien ils ont su s'adapter en permanence au changement climatique, car à l'époque, le lac pouvait varier, la hauteur du lac pouvait varier de façon vraiment considérable. Et ils étaient capables de reconstruire leur maison sur pilotis en tenant compte de ces variations du lac. Le choix du bord du lac, il n'était pas lié à des questions de sécurité, certes un peu d'eau potable puisqu'ils étaient juste à côté de la ressource, mais essentiellement il faut savoir qu'à l'époque, 1000 ans avant Jésus-Christ, l'ensemble du canton de Genève, c'est une forêt. C'est une forêt de chênes, une forêt de hêtres qui est juste entrecoupée par les cours d'eau. Et en fait, c'est le seul endroit qui était disponible sans devoir déboiser pour construire un village. Ça ferait plaisir à beaucoup de mes amis écologistes d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand vous coupez un arbre, c'est assez compliqué. J'avance un petit peu dans le temps. Nous sommes 58 avant Jésus-Christ. Genève est en fait une base militaire romaine qui s'appelle Genava. La particularité à l'époque, c'est qu'on construit un pont sur le Rhône, parce que c'était extrêmement compliqué de pouvoir franchir, bien sûr, le lac, mais également le Rhône. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à cette époque, les habitants de Genève vont se retirer du lac et ils vont remonter sur les collines, construire des habitations qui vont entourer de remparts. C'est vrai que si le lac, c'est une voie d'échange, de communication et d'échanges commerciaux, c'est aussi une voie propice aux invasions. Et à l'époque, ils savaient bien se taper dessus. Pendant plusieurs siècles, Genève va continuer à tourner le dos à la rade, à la boudée, et va concentrer son développement sur le quartier de Saint-Gervais et sur le quartier de la vieille ville, qui vont être bien sûr fortifiés. À ce moment-là, si le lac et la rade ont une importance relative, c'est le Rhône qui va devenir important, puisque le Rhône, c'est la force hydraulique, à tel point que on a beaucoup de moulins sur le Rhône, à quelques centaines de mètres ici. On a donc des moulins, on a des lavandières pour l'hygiène, pour laver le linge.
On a également, je suis un peu responsable de la pêche, on avait des bassins pour conserver les truites vivantes. Et puis tous ces ouvrages qu'on a construits à la sortie du lac et au début du Rhône freinaient l'écoulement des eaux à tel point que ça provoque des inondations partout autour du Léman. On était déjà un peu des animateurs au bout du lac pour embêter les voisins. Et ça crée surtout des très très fortes tensions avec nos voisins vaudois qui sont régulièrement inondés. Aspect historique, 1er juin 1814. Une date importante pour Genève, cette fois, c'est l'arrivée des Suisses au Port-Noir. Deux compagnies de militaires fribourgeoises et soleroises arrivent à Genève par la voie fluviale, parce qu'ils sont venus pour renforcer la garnison genevoise. Pourquoi ils sont passés par le lac? Ils n'avaient pas d'autre solution, puisqu'à l'époque, la rive gauche était royaume de Piémont-Sardaigne et Versoix était encore française. Genève désirait devenir suisse. Et les confédérés, pour confirmer cette intention, sont venus en bateau nous soutenir. Sans le lac, qu'est-ce que nous aurions fait? Quelques mois plus tard, Genève entrait officiellement dans la Confédération et devenait Suisse. Avec la révolution fasciste au milieu des années 1800, Genève décide enfin de grandir, démolit les fortifications. En même temps, Genève redécouvre l'eau. Elle se tourne vers le lac et elle aménage la rade et les quais où nous sommes aujourd'hui. En plus, on installe à Laval-sur-Rhône la force hydraulique, on construit le bâtiment des forces motrices qui nous permet de distribuer l'eau potable dans les maisons et en même temps qui produit de l'électricité pour les industries genevoises qui sont en plein boom. Il s'ensuit une période de prospérité de plusieurs décennies, quand même entrecoupée par deux guerres mondiales, où notre pays sera épargné. J'en arrive maintenant aux années 1970, où les riverains du lac constatent que l'eau, le plan d'eau du Léman, est gravement pollué. Les poissons meurent, l'eau sent mauvais. Le lac Léman, dans les années 70, n'arrive plus à digérer justement les rejets humains issus de la prospérité. Il faut savoir que les premières stations d'épuration vont se construire à ce moment-là, mais que tous les eaux usées ménagères industrielles se déversaient soit dans le lac, soit dans le Rhône, sans traitement, sans épuration. Et ça, entre 1945 et 1970, ça va gravement perturber le Léman qui devient trop riche et qui risque de mourir. Mais heureusement, on a eu deux choses à cette époque-là qui nous ont été indispensables. Il y a eu une volonté politique de résoudre le problème et il y avait de l'argent. Et tout autour du Léman, tout le monde va travailler activement à assainir, à épurer pour que ce lac redevienne propre. C'est un succès historique et souvent cité en exemple tout autour de la planète. Aujourd'hui, quand vous allez vous baigner dans le lac Léman, si vous buvez la tasse, vous n'avez aucun risque, aucun danger. La qualité de l'eau est d'un tel niveau que théoriquement même, pour la distribuer comme eau potable, on n'aurait pas besoin de la filtrer. On a une eau vraiment qui est redevenue exemplaire. J'insiste là-dessus parce que des fois, j'entends des gens qui disent « Oh, le lac, il est trop propre. » Il est trop propre. Bon, je pense c'est comme si on me dit « Moi, je suis trop heureux, je suis trop content. » C'est stupide. Il faut juste s'imaginer que le lac, c'est quand même notre source d'eau potable. On ne va jamais dire qu'elle est trop propre. Mais pourquoi les gens disent ça? Tout simplement parce qu'un lac, quand il devient très, très propre, les poissons grandissent moins vite, notamment les perches. Et ceux qui sont pleins, c'était notamment certains amis pêcheurs qui trouvaient peut-être qu'on était allé trop loin dans l'épuration. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà, je vais en terminer en ajoutant que tout le monde aujourd'hui voit le lac Léman comme une zone de fun, une zone de loisirs, de détente, de rafraîchissement. Je pense par exemple à la mise à disposition de la population de la nouvelle plage des eaux vives il y a 2 ans. Je pense aussi au projet de la ville de Genève de faire une nouvelle plage un peu plus haut au quai Wilson. Mais j'insiste bien, c'est juste oublier que donc, ce Léman, c'est notre réservoir d'eau potable pour 1,5 million d'humains. Et qu'à l'avenir, il faudra en conserver la qualité et la quantité. Et le défi est loin d'être gagné si l'on songe à la fonte accélérée des glaciers, aux micropolluants, autres microplastiques qui préoccupent beaucoup les scientifiques qui observent le Léman. Rien n'est donc acquis pour toujours, la prospérité, la qualité de l'eau.
et les pouvoirs publics genevois, vaudois, valaisans et hauts savoyards devront poursuivre avec détermination leur engagement en faveur de notre bien commun, qu'est le Léman. Voilà, j'en ai terminé. Vive l'eau propre, vive Genève et vive la Suisse. Général du 1er août 1291. Au nom du Seigneur, amen. C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour être mieux à même de défendre et de maintenir dans leur intégrité leur vie et leurs biens, les gens de la vallée d'Uri, la Landsgemeinde de la vallée de Schwyz et celles des gens de la vallée inférieure d'Unterwald se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quel secours, appui et assistance de tous leurs pouvoirs et de tous leurs efforts, sans ménager ni leur vie, ni leurs biens, dans leur vallée et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leur personne ou à leurs biens, ou à un seul d'entre eux, les attaqueraient ou leur causeraient quelques dommages. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le fera, autant qu'il le faudra, pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis. C'est ce que, par ce geste consacré, ils ont juré d'observer en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le texte de l'ancien pacte corroboré par un serment, sous réserve que chacun, selon sa condition personnelle, reste soumis, comme il convient, à son Seigneur et lui rende les prestations auxquelles il est tenu. De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent, soit à quelque autre prix, et qui ne serait pas de chez nous, et membre de nos communautés. Si, d'autre part, un conflit surgit entre quelques-uns et quelques-unes, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateur pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace. Et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence. Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui qui, criminellement et sans provocation, commettra un meurtre, sera, si on a pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l'exige, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il est innocent. Et s'il réussit à s'échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient abri ou protection aux dits malfaiteurs doivent être expulsés des vallées aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément rappelés par les confédérés. Si quelqu'un ou quelqu'une, de jour ou dans le silence de la nuit, met criminellement le feu au bien d'un confédéré, on ne doit plus jamais le considérer comme membre d'une de nos communautés. Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait, devra indemniser la victime. De plus, si l'un des confédérés en dépouille un autre de ses biens ou lui cause n'importe quel autre dommage, les biens du coupable que l'on pourra saisir dans les vallées doivent être mis sous séquestre pour dédommager la victime conformément au droit. En outre, nul n'a le droit de saisie envers un autre confédéré, à moins que celui-ci ne soit notoirement son débiteur ou ne soit porté caution envers lui. Et il ne doit le faire qu'en vertu d'un prononcé spécial du juge. Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit, s'il a besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée. Et si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu,
et que l'un des confédérés subisse quelques dommages du fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant. Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie. Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité, en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des trois communautés et vallées susdites, fait en l'an du Seigneur 1291, au début du mois d'août. Et chers concitoyens, nous arrivons au terme de cette cérémonie. Je tiens à remercier encore une fois Madame Franzen pour l'interprétation de l'hymne, le quintet du jet d'eau pour son accompagnement musical, Monsieur le Président du Conseil municipal Amar Madani pour son discours, notre invité d'honneur Alexandre Bizarre pour son discours, son intervention, et le comédien Monsieur Adrien Philippe pour la lecture du pacte. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pu profiter des nombreux concerts et spectacles, animations et visites ponctuées de nos traditions helvétiques, mais surtout qu'il vous reste encore de l'énergie et de l'eau pour la suite des festivités, puisque je vous donne rendez-vous à 21h ici même pour écouter l'orchestre Corsin cette année sur le lac, pour rester dans la thématique de l'eau et par sa lumière et sa chaleur, que cette tradition soit porteuse de votre attention. Et je vous remercie d'avoir participé à cette belle journée, et je vous souhaite une belle suite de 1er août. Belle soirée. Merci.